Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense plaisir de vous recevoir aussi nombreux ce soir à l'occasion d'une nouvelle séance du Ciné-Club Univers Convergent au Grand Action. Ce Ciné-Club nous est proposé par l'Institut Henri Poincaré, le prestigieux institut de recherche mathématique dirigé par Sylvie Benzoni. Sylvie, c'est un plaisir de t'accueillir, tu le sais, tu es ici chez toi. On peut applaudir Sylvie. Et ce soir, Sylvie et Quentin qui va nous rejoindre, voilà. Quentin est à l'origine du Ciné-Club Univers Convergent au Grand Action. Quentin est réalisateur et responsable audiovisuel de l'IHP. Tout ce qui se passe de formidable dans le cadre de ce Ciné-Club, c'est à Quentin que vous le devez. On peut lui dire un grand bravo. Et Quentin réussit cet exploit de s'occuper de tout, des places, du remplissage de la salle, des équations, du recrutement des intervenants. Voilà, tout ce qui se passait grâce à Quentin. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance du Ciné-Club. Alors ce soir, on a la chance d'avoir un film qui nous raconte l'histoire d'une découverte scientifique, et vous pourrez peut-être à première vue vous demander quel est le rapport avec les mathématiques. Alors il se trouve que quand même il s'agit de sciences du climat, que les sciences du climat par définition sont multidisciplinaires, et que pour faire de la physique du climat en particulier, il faut des modèles mathématiques. Donc, je ne vais pas vous parler de modèles mathématiques là tout de suite, je voudrais juste évoquer une notion comme ça qui m'est venue en pensant à ce film, c'est la notion de d'échelle ou de facteur d'échelle. Alors on peut penser à l'échelle de temps nécessaire à une espèce, pour influencer son environnement. On peut aussi penser à l'échelle de temps nécessaire à cette espèce pour réaliser à quel point elle influence l'environnement. Donc vous avez ici deux personnalités qui savent très bien vous expliquer ça. Et puis dans les modèles mathématiques qui interviennent dans ce qu'on va voir ce soir, il y a la notion d'échelle en espace. Donc à quelle échelle spatiale se produisent certains effets. Donc il y aura une petite surprise après, où un certain effet intervient à une certaine échelle et pas à des petites échelles, et en particulier pas dans votre baignoire, contrairement à une idée reçue. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci Sylvie. Écoutez, il y a déjà plein de choses qui ont été dites, donc je vais déjà vous remercier tous d'être présents ce soir, toujours aussi nombreux, au Ciné-Club. Le Ciné-Club continue grâce à vous. Je vais présenter un tout petit peu plus en détail nos deux intervenants scientifiques. Donc déjà Hervé Le Treut, donc il est physicien du climat, c'est ce qu'il m'a demandé de dire, parce qu'effectivement c'est une science bien, bien sérieuse. Il est professeur à la Sorbonne Université et à Polytechnique, et il est directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et c'est lui qui a accepté le petit défi qu'on se donne depuis le début de cette nouvelle saison, puisque l'idée donc du Ciné-Club, bien sûr, c'est de partager avec vous des débats entre la science et la société, et de voir comment la science peut nous impacter un petit peu au quotidien. Mais aussi, on rappelle un petit peu cette année que l'Institut Henri Poincaré, qui organise un institut de mathématiques et de physique théorique, et que les scientifiques, ils font certes des débats d'éthique et de société, mais ils travaillent aussi beaucoup. Et ils travaillent avec des équations, et donc on a à peu près 5-10 minutes pendant le débat, pendant lesquelles on va retenir un peu notre souffle, et on va vous présenter une vraie équation qui est en jeu dans l'étude du climat de la planète, et c'est Hervé qui va vous la présenter tout à l'heure. Voilà. Ensuite, nous avons Hubert, que Isabelle a déjà très bien présenté. Hubert, il est astrophysicien. Il est immensément connu du grand public pour ses magnifiques ouvrages de vulgarisation. Il est militant écologiste. Depuis combien de temps, militant écologiste, Hubert ? Une vingtaine d'années. D'accord, parce que j'allais dire sur le tard, mais quand même pas. Non, ça a commencé dans les années 80, en fait. Eh bien, on reviendra un petit peu pendant le débat là-dessus, sur votre engagement tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui. il est retraité du CNRS et il est président aujourd'hui, en tant que donc, militant écologiste, de l'association Humanité et Biodiversité. Un tout petit mot sur le déroulé de la soirée. Donc, on vous présentera la bande-annonce du cycle, et puis vous aurez donc, ce film de Luc Jacquet que Isabelle présentera juste après moi. Là. Et puis nous aurons ensuite un échange avec les intervenants, et je leur poserai quelques questions. Les questions du public, la séquence équation, et nous avons aussi la chance d'avoir une petite vidéo de Luc Jacquet, le réalisateur du film, qui n'a pas
malheureusement pas pu être présent puisque un tournage s'est débloqué. C'est comme ça la vie des réalisateurs. Ils attendent des années que leur tournage démarre et soudainement il a démarré. Donc il m'a écrit pour me dire qu'il ne pouvait pas être présent et qu'en revanche, j'avais quelques questions pour lui concernant ce film qui est un petit peu particulier, qui est un documentaire un peu particulier. Et son équipe m'a orienté vers une vidéo qu'il a faite en Suisse dans laquelle il répond à ces questions. Et donc je vous en ai sélectionné des petits extraits et on pourra les voir pendant le débat. Et ensuite, la soirée se terminera pour ceux qui l'auront souhaité. Vous pouvez nous rejoindre auprès d'un cocktail juste au grand bar du Grand Action en bas, dans lequel vous pourrez échanger avec les intervenants. Écoutez, moi, j'ai plus qu'à vraiment vous remercier d'être là. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et je repasse la parole à Isabelle pour parler du film. Alors, nous allons voir La glace et le ciel, réalisé en 2015 par Luc Jacquet. Alors, Luc Jacquet, vous l'avez certainement découvert avec La marche de l'empereur. La marche de l'empereur, Oscar du meilleur film documentaire en 2006. Luc Jacquet est absolument passionné par l'Antarctique. Il y a consacré de nombreux projets, de nombreux films. Il a participé à de très nombreuses missions. C'est sa passion. Il est jeune, hein, il est né en 67. Et il avait il a une grande admiration pour Claude Lorius, éminent glaciologue, à qui il a consacré de nombreuses interviews. Et d'interview en interview, il s'est dit, mais en fait, tout ça, ça constitue une somme, c'est l'histoire d'une vie. Et il a décidé, pour les 80 ans de Claude Lorius, de lui offrir un beau cadeau, aller avec lui en Antarctique et se livrer à une sorte d'enquête policière, c'est-à-dire retourner dans tous les endroits où Claude Lorius avait prédit que malheureusement il risquait de se passer tel et tel type d'événement, retourner dans ces endroits et voir ce qu'il en était bien des années après. Bien entendu, la thèse de ce film, c'est l'homme et c'est l'homme et son action qui est à l'origine du dérèglement climatique. Évidemment, c'est dans ce but que Luc Jacquet voulait faire cette expédition avec Claude Lorius. Alors, ce film, qui est évidemment pour nous militants écologistes, c'est quand même d'une importance fondamentale, majeure. Eh bien, imaginez-vous qu'il a eu énormément de mal à trouver un financement, en particulier auprès des chaînes de télévision publiques. Et imaginez-vous que c'est Kering, la grande société Kering. Kering, vous savez, c'est tout le luxe, c'est Saint-Laurent, Gucci, Boucheron & Co. Et c'est Kering qui a financé le film. Et le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, a eu un coup de cœur pour ce film et a décidé de le présenter en 2015 comme clôture. Alors, c'est ce qui... Pardon ? Oui, comme clôture du Festival de Cannes. Et ce qui a déchaîné pas mal, parce que c'est évidemment assez loin de l'univers cinéphilique, mais Thierry Frémaux est resté droit dans ses bottes et a dit qu'il justifiait son choix en affirmant que ce film disait des choses importantes sur l'avenir de notre planète et les menaces qui le compromettent, face auxquelles nul ne doit rester indifférent. Voilà. À l'issue de cette présentation, ce film a connu une belle exploitation en salle, une belle exploitation, mais comme on se le disait avant le film, pas, à mon goût, pas suffisante. La place de l'écologie au cinéma n'est pas encore suffisante. Voilà. Mais ce soir, nous rattrapons un peu de ce retard. Excellente projection. Je m'appelle Claude Lorius. Et j'aurai 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. À 82 ans,
Je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, mais pour nos enfants. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité. Si on rentrait directement dans le vif du sujet, peut-être je vous demande simplement à l'un et l'autre, qui, je savais que vous aviez déjà vu ce film et que vous connaissez bien Claude Lorius, peut-être simplement votre sentiment en le revoyant là. Non, mais je pense que c'est un film que je trouve très, très émouvant à bien des égards. D'abord parce que, effectivement, on y voit Claude Lorius sur toute la durée de sa carrière scientifique. Moi, j'ai connu qu'une moitié peut-être de cette carrière scientifique. C'est quelqu'un qui m'a aidé, encouragé quand j'ai commencé à m'intéresser au problème du changement climatique. Je viens d'une autre discipline qui se fait dans celle des modèles et des calculs pour aborder un peu les mêmes problèmes et les mêmes. Mais c'est quelqu'un qui a joué un rôle vraiment immense dans le développement de cette discipline qui est celle de la climatologie en France. Et voilà, donc moi je trouve que c'est quelque chose d'assez émouvant. Et j'ajouterais qu'en fait, des témoignages comme celui-ci sont très rares. On n'a pas écrit l'histoire de nos disciplines. Et c'est une histoire qui allait très vite. Et je pense que c'est un témoignage qui est extrêmement rare, extrêmement précieux de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de portraits de gens que je connais encore, mais d'autres qu'on voit mal. Mais il y a un côté de portrait de famille un peu aussi qui est tout à fait touchant, je trouve. Vous pouvez passer le micro à Hubert. Même question, une réaction. Oui, alors je voudrais rappeler cette histoire. En fait, ça commence, les plus âgés s'en souviendront, vers les années 60-70. Après la guerre, quand on a compris qu'avec la multiplication des voitures, des chauffages, il y a eu cette idée. Moi, je me souviens, je travaillais à la NASA à cette période, et il y avait des personnes qui disaient, c'est un peu inquiétant le nombre de voitures qui sont fabriquées, le gaz carbonique qui sont émis. Et puis d'autres personnes, dont j'étais, je dois l'admettre, disait, non, quand même, il ne faut pas exagérer, la Terre, c'est grand, des voitures par rapport à la Terre, c'est peu de choses. Et je me souviens, on se retrouvait au café régulièrement pour discuter, et on disait, il faudrait une analyse scientifique, il faudrait quelque chose de prouvé, mais comment faire? L'idée, c'était, il y avait deux problèmes. D'abord, il était clair que la Terre se réchauffait lentement. Mais la question qui se posait, c'était, oui, mais il y a eu dans le passé des glaciations. C'est arrivé de nombreuses fois que les températures ont monté et sont descendues. Est-ce qu'on peut prouver que ce réchauffement est vraiment dû à l'humanité, c'est-à-dire aux contributions de l'industrie humaine? Ce qui était loin d'être évident et qui est resté, comme vous savez, il y a eu tous ces débats sur les climato-sceptiques, ça s'est répandu pendant un certain temps. Et celui qui a eu l'idée de dire on peut le montrer d'une façon scientifique et qui soit vraiment probable, c'est que c'est effectivement de faire une corrélation dans le passé, de dire, de montrer que ce qui se passait en ce moment, un accroissement du gaz carbonique en même temps qu'un accroissement de la température, était un signe, était la signature. Le smoking gun, comme disent les Américains. J'ai sous les yeux la preuve indiscutable que le climat et la concentration en gaz à effet de serre sont intimement liés. Et pour ça, il fallait trouver des documents qui nous renseignent sur ce qui s'était passé dans le passé. Et comme vous savez, maintenant on remonte jusqu'à 1 million d'années. Et les expériences de M. Lorius et de son groupe, qui ont montré alors clairement les documents, peut-être ne sont pas tout à fait suffisamment bien explicités dans ce film. J'aurais aimé qu'on ait pu voir exactement comment les périodes de réchauffement
correspondait bien aux périodes d'accroissement du gaz carbonique, du méthane, et que tout ça fait un ensemble qui est vraiment, je pense, indubitable. Fidèlement, je vois les cycles climatiques qui s'impriment sous mes yeux. Quatre cycles de glaciation qui se dessinent de façon identique, que l'on prenne pour témoin les variations de la température, du niveau des mers, du taux de dioxyde de carbone ou de méthane dans l'atmosphère. Moi, ça me paraît un événement important de l'histoire de l'humanité. C'est la preuve qu'on avait un réchauffement climatique qui est dû en quasi-totalité. Les variations dues à des phénomènes naturels maintenant sont évaluées, sont très faibles. Et c'est le document qui a montré que vraiment nous avions un problème et un problème majeur. Et ce que Laurieuse dit, qui est malheureux, c'est que ce message d'abord a été reçu. Vous avez vu quand il y a le groupe d'experts qui regarde tout ça, l'air de dire ouais. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère et sur la couche d'ozone ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Quel est votre avis scientifique exact? Mais Monsieur Cavada, vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. C'est l'expérience qui a montré d'une façon capitale, nette, qu'il y avait ce problème. Laurieuse fait remarquer, il dit avec raison, c'est comme si je n'avais pas été écouté. J'ai prévu tout ça il y a maintenant plus de 30 ou 40 ans. Dans le fond, on ne s'en est pas beaucoup occupé. Maintenant, on s'en occupe parce qu'on s'aperçoit que ce qu'il avait prévu est arrivé très exactement. Et nous sommes coincés, comme vous le savez, c'est le principal problème que nous avons aujourd'hui. Ce réchauffement climatique, avec tous les problèmes que ça cause, ce que nous appelons la litanie. La litanie, ça veut dire réchauffement des océans, acidification des océans, pollution, réchauffement, fonte des glaces. Tout ça, tel qu'il l'avait prévu, est arrivé littéralement. Nous sommes en plein dedans ce drame dont nous ne savons pas très bien, évidemment, comment nous en sortir. Moi, je trouve sa position est optimiste quand il a cette phrase « L'humanité s'est toujours montrée à la hauteur de ses problèmes ». Bon, j'espère que c'est vrai. Je ne suis pas... L'avenir verra. Personne ne connaît l'avenir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que lui, il l'avait prévu très correctement. Merci Hubert. Juste effectivement pour revenir sur ces questions, donc au moment où les résultats de Laurieuse commencent à sortir, effectivement un des arguments les plus avancés c'est celui de la variation naturelle, astronomique du climat. Est-ce que peut-être Hubert et Hervé vous pouvez revenir un petit peu justement sur l'importance capitale du travail de Claude Laurieuse et pourquoi son travail à lui permet justement de lever tout soupçon, tout doute? D'abord, c'était pas facile de répondre à cette question. Et la façon d'y répondre qui est présente en ce moment, c'est de dire on va faire deux types de modèles. On va faire des modèles de la variation de la température avec les années sans tenir compte de l'industrie humaine, comme s'il n'y avait pas eu de réchauffement climatique humain. Et puis on va le faire avec, et on voit très bien la différence est très très nette entre les deux. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, l'histoire qui est racontée là, en elle-même, telle qu'elle est racontée, ne lève pas tous les doutes. Oui, je ne pense pas qu'on puisse dire tout à fait cela, parce que, effectivement, la manière dont les choses ont varié dans le passé, c'était sous l'effet de problèmes astronomiques. Hein. C'est bien dit dans le reportage. Ah, oui, il faut parler pour qui. Donc, on a des changements climatiques qui sont dus à des variations de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, à des variations de l'axe de rotation de la Terre. Et ces changements sont marqués aussi par des variations des gaz à effet de serre. Alors, cette découverte, qui est vraiment une découverte fantastique, c'est de montrer que les deux varient ensemble. Alors, maintenant, nous, on arrive avec un problème un petit peu différent, c'est que on ajoute des gaz à effet de serre, donc c'est une modification qui part d'un processus différent. Là où ce qui était la cause, c'était les variations astronomiques, là la cause, c'est parce que nous, on amène nos gaz à effet de serre. Alors, est-ce que les mêmes
choses vont se reproduire. Est-ce qu'on va avoir effectivement un réchauffement dans ces conditions-là? Il y a eu beaucoup d'autres éléments qui ont été trouvés à partir des glaces polaires qui ont contribué à le montrer. En fait, le mécanisme de réchauffement qu'on peut voir dans les glaces du passé, c'est quelque chose qui est marquant, beaucoup parce que les évolutions sont les mêmes dans les deux hémisphères. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à avoir un système qui soit asymétrique entre les deux hémisphères, que l'on ait un réchauffement selon les périodes, soit plus fort dans un hémisphère que dans l'autre. En fait, les deux hémisphères ont toujours des températures qui varient ensemble. Et je pense que pour moi, la preuve absolue, elle a été là. C'est-à-dire que quand on a un réchauffement, ce réchauffement, d'une certaine manière, il est transporté d'un côté à l'autre de la planète. C'est un réchauffement qui est dans les deux hémisphères. Alors ça fonctionne comment ? Dans le passé, on a un réchauffement qui touche un des deux hémisphères. On a à ce moment-là des gaz à effet de serre qui vont servir, dont la composition est modifiée, qui vont servir de levier pour aller aussi provoquer un réchauffement de l'autre côté de la planète. Et un vrai mécanisme qui lie l'un à l'autre, qui a été compris. Une fois que ce mécanisme qui lie vraiment à la température et les gaz à effet de serre a été compris, on était sûr, effectivement, qu'on allait être confronté à quelque chose de similaire. Il y a eu beaucoup plus en termes d'interprétation que ce qui est montré là. Et j'ajouterais que simultanément, il y a eu des calculs qui ont été effectivement faits à partir de modèles. Donc il y a une alerte qui s'est déclenchée de manière presque simultanée et un peu différente, c'est-à-dire par le calcul, on voit qu'on a des gaz à effet de serre qui augmentent. Est-ce qu'ils augmentent vraiment maintenant dans l'atmosphère? Donc c'est toutes les mesures qui ont été faites au Mauna Loa. S'ils augmentent vraiment dans l'atmosphère, quels sont les risques? C'est là que la communauté à laquelle j'appartiens a fait des calculs à partir de modèles et a pu essayer de calculer le réchauffement qui serait lié à ces gaz à effet de serre et qui lui aussi s'est retrouvé vérifié par les modèles ensuite. Il y a eu vraiment un travail qui a été déclenché par tout cela et qui a multiplié les approches. Et c'est la multiplication de ces approches qui fait qu'on a vraiment des années 80, vraiment une confiance, je pense, inébranlable pour la plupart des gens qui étaient impliqués là-dedans, dans la réalité de ce changement. Mais le phénomène Vostok a été remarquable parce que il est immédiatement visible. Cette corrélation entre la température et les gaz à effet de serre, elle demande à être interprétée, elle demande à être fouillée pour être vraiment une preuve. Mais elle est immédiatement visible, elle saute aux yeux et elle a vraiment changé l'histoire de la discipline à cause de cela. Alors justement, elle saute aux yeux, mais Claude Lorius le dit très bien, c'est parfois un peu vexant de devoir aller défendre quelque chose qui, justement, paraît si évident scientifiquement parlant. Il le dit, hein, Hubert, parfois il a l'impression de devoir se battre en permanence et ça le fatigue. Est-ce que vous, depuis toutes ces années d'engagement, est-ce que parfois il y a des moments où on a envie d'abandonner un peu, où on se demande un peu où ça va aller, tout ça? Moi, ça m'a paru assez évident dès le début et j'ai jamais eu... Vraiment, bon, au début, on se demandait, et c'était légitime, on voit que la température augmente, mais on sait que dans le passé, ça s'est passé. Donc cet argument de dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas simplement des phénomènes reliés à l'astronomie, justement au fait que la distance entre la Terre et le Soleil varie régulièrement, à cause que les orbites ne sont pas tout à fait circulaires, les plans des orbites bougent un peu, c'était un phénomène naturel. Mais d'essayer de tirer un petit ajout dû à l'humanité n'a pas été évident. Et c'est ça, c'est là que ça, c'est un des éléments, moi, que j'ai beaucoup admiré. C'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui restent sceptiques, vous savez, il y a un mot français qui dit bien tout ça, c'est le mot « ça les arrange ». Je crois que pas une personne qui a un peu d'intelligence peut encore aujourd'hui contester, c'est démentiel.
Et ces phénomènes démentiels, c'est toujours les, par exemple, ceux qui font du charbon, qui font tout ça, ça les arrange de le nier. Donc il faut voir, il y a une expression québécoise qui dit bien ce genre de choses, ça s'appelle le PFH. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le PFH. Ça s'appelle le putain de facteur humain. C'est ce que tout le monde connaît, le putain de facteur humain. C'est vraiment ça, ça exprime tout. Si vous niez des choses évidentes, la seule raison, peut-être la plus vraisemblable, c'est que ça vous arrange. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Je vous propose de revenir un petit peu à ce continent blanc là, qu'on a vu pendant une heure et demie, qu'on ne connaît pas, en tout cas pour ma part, qu'on ne connaît pas si bien. Alors, il reste deux bases hein, qui sont vraiment encore sur le tome C, Vostok, qui est toujours en exploitation, et puis la base Concordia, la base franco-italienne, donc les Français sont assez bien placés là-bas. Peut-être, Hervé, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce continent, à quoi il ressemble, ce qu'on y voit, quelle est sa topologie, et qu'est-ce qu'on peut encore y faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore y découvrir ? Alors non, moi j'ai jamais dépassé au sud l'altitude de Ushuaïa, qui est la ville où est née mon épouse, mais au-delà je ne suis jamais allé sur l'Antarctique. Par contre, c'est effectivement un continent qui est présent dans toutes les études qu'on peut faire quand on essaie d'étudier le climat. C'est un des continents qui réfléchit la lumière solaire de manière énorme. C'est un des stabilisateurs, enfin des endroits qui conditionnent ce qu'est le climat de la planète de manière très importante. On pense que parmi les choses qui ont aidé la planète à se refroidir, on a eu un climat beaucoup plus chaud dans les années de la fin du tertiaire, par exemple, dans l'époque tertiaire, il y a des dizaines de millions d'années maintenant. On a eu deux choses. D'abord, la dérive des continents qui a amené l'Antarctique là où il est, où il s'est couvert de glace, avec une glace qui a réfléchi le rayonnement solaire. Et puis aussi la disparition progressive du CO2 qui a servi à faire du pétrole, à faire d'autres choses, qu'on est en train maintenant de remettre dans l'atmosphère. Donc c'est un continent qui joue un rôle climatique absolument essentiel. Je crois qu'on a toujours énormément de choses à trouver. Comme je l'ai dit, ce qui a été fait au début et qui était visible, c'est une part du travail. Ensuite, essayer de comprendre de manière fine comment on passe d'une constatation qualitative à quelque chose qui permet d'affronter le futur avec des chiffres, avec des constats qui permettent vraiment de prendre des décisions, d'essayer de gérer la planète. Ça demande un niveau de détail, un niveau de compréhension qui est beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, par exemple, on a des modèles qui nous donnent le niveau de réchauffement qu'on peut espérer ou craindre en fonction de ce qu'on va émettre comme gaz à effet de serre. On rentre là, même si on croit à nos équations, si on croit à ce qu'on fait, dans des perspectives qui sont des perspectives en partie inconnues. Donc on ne sait pas tout simuler de manière correcte. Donc d'avoir ces points de repère qui sont ceux du passé, d'avoir une documentation de ce qu'a été le climat il y a 20 000 ans, quand on avait un niveau de CO2 qui était plus faible, quand on avait une trajectoire autour de la planète, un petit peu de la Terre autour du Soleil un peu différente, et être capable de regarder la transition qui s'est faite entre cet âge glaciaire et puis l'époque pré-industrielle, ça nous donne des points de repère qui sont extrêmement importants par rapport à ce qu'on peut faire comme calcul futur. Donc les climats du passé sont les références par rapport auxquelles on peut mesurer ce qui est en train de se passer. On a aussi dans les études qui ont été faites dans le climat du passé des choses qui ne sont pas si faciles que ça à comprendre, mais qui nous servent de guide aussi pour apprécier ce qui s'est produit. On a, depuis 10 000 ans, on a eu un climat qui est relativement chaud, on appelle l'Holocène, et extraordinairement stable par rapport à toutes les mesures et tous les standards qu'on peut prendre. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère pendant 10 000 ans est resté entre 270 et 300 parties par million. C'est quelque chose d'extraordinairement régulé.
c'est un peu difficile de comprendre pourquoi c'est aussi, aussi précisément régulé. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'on est passé en quelques années de 270 ou 300 à 400 parties par million en 50 ans. Donc cette référence des climats du passé, elle est indispensable. Si on n'avait pas cette capacité de se reposer sur un diagnostic établi de manière claire et d'évaluer par rapport à ce diagnostic clair ce qui est en train de se passer maintenant, ben on serait dans l'embarras parce qu'on a besoin de ces repères par rapport auxquels jauger tout ce qu'on peut calculer aujourd'hui. Donc c'est toujours... Et l'Antarctique est un continent indispensable. L'Arctique nous a appris énormément de choses aussi, parce que c'est qu'il s'y passe des choses beaucoup plus compliquées. On est proche du Gulf Stream qui fluctue, on est proche de choses, de calottes glaciaires qui fondent, on est proche. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais ça nous a appris justement ce que cette complexité du système climatique pouvait amener de danger. Donc on a besoin de toutes ces études de manière extrêmement importante. C'est pour ça qu'on est très nombreux. Les gens s'étonnent parfois qu'il y ait autant de climatologues. On a besoin d'étudier tous ces problèmes-là. Merci. Hubert, j'ai une question sur l'aspect du film qui est l'aspect exploration, puisque là, la science est présentée sous une forme d'exploration double. La première, c'est d'explorer les climats du passé, essayer de comprendre l'évolution de la planète, mais il y a aussi une exploration plus chevaleresque, on va dire celle de vraiment aller là-bas et de découvrir, de faire les cartes de ces endroits-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'aventure ? Là où nous sommes, la carte ne mentionne que ces mots « zone non répertoriée ». Comme des gosses, nous baptisons les montagnes alentour. C'est comme ça qu'il y a depuis ce jour un mont Lorius sur les cartes de l'Antarctique. Il semblerait que les géographes aient pris notre jeu au sérieux. N'est-ce pas là le privilège des explorateurs ? Ça me donne beaucoup d'admiration pour M. Lorius, qui a de la suite dans les idées, comme on dit. Il a eu une bonne idée, c'était une chose, mais en même temps, il fallait y aller lui-même. Et on a vu qu'il a eu une vie assez difficile quand c'était dans les 60-70 degrés. Non, moi, je suis très admiratif de Claude Lorius. Je suis content qu'on en parle maintenant, parce que c'est vraiment une vie au service de la science et de l'humanité, puisque ça touche un problème crucial aujourd'hui pour l'humanité. En fait, aujourd'hui, les gens, dans la vie commune, on a plein de problèmes. Oui. On a les questions politiques qui se posent, on a les questions éthiques qui se posent, l'évolution de la science. Vous vous dites, c'est le problème. Qu'est-ce que vous diriez aux gens ? C'est le plus menaçant. C'est le plus... Ça et l'érosion de la biodiversité. Les deux jouent des rôles à peu près égaux, c'est-à-dire qu'ils mettent en péril l'humanité. C'est ça qui se passe quand on voit qu'elles sont... C'est précis. Quand on parle du fait que si on atteint 2 ou 3 degrés, ça peut devenir ingérable, eh bien, ingérable, ça veut dire beaucoup de choses à l'échelle de l'humanité. Peut-être notre ami peut nous en parler de ce... Oui, alors d'abord, je voudrais dire, par rapport au sentiment d'amertume, de ne pas avoir été entendu, je pense qu'il y a peut-être un petit... Enfin, c'est vrai d'une certaine manière, mais en même temps, moi, je me rappelle effectivement du niveau d'attention qui était porté à ces problèmes-là. Moi, j'ai commencé dans les années 80 à travailler sur ces problèmes-là. Je suis moins âgé que Lorius, mais ça fait déjà quelques années. Donc... par rapport à l'attention qui était portée à ces problèmes-là, à cette époque, je crois qu'il y a eu un progrès énorme. Mais ce progrès, il fait partie de ce qui a permis, sur le fond, effectivement, d'avoir la Convention cadre des Nations Unies de 92 à Rio, qui est un texte que je vous invite à relire, qui est un texte magnifique. Et puis ensuite, l'accord de la COP21, effectivement, qui a été ratifié ensuite rapidement. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup d'avancées. La difficulté aujourd'hui, c'est que les choses vont beaucoup plus vite en fait que ce qu'on pensait. Je crois que c'est plutôt aujourd'hui cette notion de lutte un peu contre le temps, contre le tic-tac de l'évolution de la planète qui fait l'énorme difficulté. Et cette évolution rapide, elle tient à une chose
qu'on mesure peut-être mieux maintenant qu'il y a quelques années, c'est le caractère irréversible de tout ce qui se passe. On met des gaz dans l'atmosphère, ces gaz, ils engagent le futur pour 100 ans s'agissant du CO2. C'est-à-dire que quand on met du CO2 dans l'atmosphère, il s'y cumule et il faut, alors c'est là aussi toujours une manière un petit peu simplifiée de présenter la science, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, ça revient à dire que la moitié de ce qui est rentré dans l'atmosphère à un moment donné est toujours là après, 50, après 100 ans. Donc pour tous les gens qui ont moins de 100 ans, ce qui a été émis au moment de leur naissance, il y en a plus de la moitié qui est encore là. Et ces phénomènes de cumul, au fil du temps, changent la donnée du problème. On est aujourd'hui confronté, par rapport à ces problèmes-là, à des exigences beaucoup plus fortes. Il y a quelques années, on parlait par exemple encore de résoudre le problème des gaz à effet de serre et le problème du changement climatique avec ce qu'on appelait en anglais le burden sharing, c'est-à-dire en se partageant la manière dont on allait chacun réduire nos émissions. Donc pour les Européens, c'était un facteur 4. Aujourd'hui, on a continué à émettre des gaz à effet de serre essentiellement parce qu'on n'était pas d'accord sur la manière de la faire, beaucoup plus que sur le diagnostic qui quand même est accepté maintenant depuis un moment, mais le résultat c'est que ce qui est devant nous c'est plus difficile parce qu'on a mis dans l'atmosphère beaucoup de gaz qui ne s'en va pas, on ne fait pas aujourd'hui les efforts pour aller le capter et le séquestrer éventuellement dans le sous-sol, donc on n'est pas en train de prendre les directions qu'il faudrait, et donc ces gaz-là ils nous imposent de venir aujourd'hui à zéro émission. Si vraiment on veut rester sous les 2 degrés de réchauffement qui sont ceux de l'accord, qui est l'engagement minimal de l'accord de Paris, rester sous les 2 degrés, on dit, il faut faire mieux que cela, éventuellement rester sous un réchauffement d'1,5 degré, ben en fait, ça veut dire, avant la fin de ce siècle, passer par une phase de zéro émission de gaz à effet de serre. Donc on a beaucoup engagé les choses. Et donc c'est plutôt plus que la prise de conscience, c'est le décalage énorme qu'il y a entre un accord finalement de principe qui a été acquis assez tôt sur le diagnostic, comment est-ce qu'on passe à une action. Et cette action-là, on peut voir partout, on n'a pas les mêmes plans énergie en France, en Allemagne, qu'il y a des désaccords assez profonds en fait sur la manière de s'y prendre. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui quand même une urgence à passer à une phase un peu plus concrète de réflexion sur comment on s'y prend, un peu partout, de manière parce que les enjeux se sont rapprochés de manière considérable. Aujourd'hui, au rythme où on émet des gaz à effet de serre, dans 20 ans, on est à peu près sûr que le cumul de ce qu'on aura émis nous empêchera de rester sous les 2 degrés de réchauffement. Ça veut dire que si on veut ne pas être confronté à cela, le temps maintenant est un temps qui est un temps qui se chiffre en années, pas en décennies, pas en siècles, comme disait Laurius à certains moments dans son discours. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est en même temps qu'on prenait conscience, en même temps qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se font, en même temps qu'il peut y avoir, on le voit, beaucoup de gens qui se sentent concernés par ces problèmes-là, le temps qui nous est donné c'est rétracté de manière considérable. Je crois que c'est ça qui est la marque du problème des gaz à effet de serre aujourd'hui. 2 degrés de réchauffement, vous pouvez préciser un tout petit peu ce que ça représente ? Oui, alors cette histoire de degrés, c'est quelque chose qui est toujours mal compris, mal vécu, parce que entre hier et aujourd'hui, on a vécu des changements plus importants que cela. C'est un peu comme la température du corps humain, si vous voulez. On a la planète Terre, c'est une planète dont le fonctionnement est très complexe. Hein, il y a une physiologie qui est très compliquée. Et la physiologie de cette planète, un peu comme la physiologie du corps humain, elle est régulée par des processus qui dépendent de la température, très fortement. Donc de même que nous, quand on a une température qui passe de 37 à 38 degrés, ben, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de déréglé dans notre physiologie. Pour la planète Terre, c'est un peu pareil. Quand on passe quand on augmente d'un degré, ben, y a un dérèglement. Aujourd'hui, on y est là.
réchauffement de la planète Terre. Et on sait que ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, c'est 5 degrés. Et dans nos projections futures, si on ne fait rien, on a beaucoup de modèles, avec une certaine incertitude, je disais, on sait absolument tout calculer, qui nous montrent qu'on pourrait atteindre ces 5 degrés dans le courant de ce siècle-là. Si on a peut-être pas de chance au niveau des nuages, au niveau de ce qu'on ne comprend pas, au niveau de processus qui peuvent s'accélérer. Donc on est... Alors, 2 degrés, c'était vu pendant longtemps comme quelque chose qu'on pouvait atteindre, qui était vraiment à notre portée, ça l'est de moins en moins, et c'est pour ça que ça s'est installé. C'est pas un seuil, il faut pas imaginer ça comme un seuil, c'est toujours plus grave d'avoir 2 degrés qu'un degré, 3 degrés que 2 degrés, 4 degrés que 3 degrés. Il y a des seuils, certainement, des seuils dans le changement climatique, des seuils où la forêt amazonienne peut-être disparaître plus rapidement, ou le Groenland, ou le fondre plus vite, mais on a toujours une réalité qui devient plus dangereuse avec la température. Donc il faut essayer de prendre ça en compte de manière rapide, maintenant efficace, mais on est dans la perspective possible de quelque chose qui en 60, 70 ans, d'ici la fin du siècle, c'est des ordres de grandeur, mais d'ici la fin du siècle, peut être de l'ampleur d'un changement climatique. Et quand on regarde les cartes, c'est toujours chose que de nos modèles, ce qu'on avait anticipé il y a 30 ans en termes de paysage, de comment ça devrait changer dans le détail géographique, et comment ça change aujourd'hui, on est stupéfait en fait de voir à quel point on est en train de vérifier là aussi les prévisions qui ont 30 ans. Merci Rémi, ça c'est pas très rassurant tout ça. En revanche, quand vous parlez de la difficulté justement de créer ces modèles et de comprendre les complexités des mouvements sur la planète Terre, je crois qu'on va pouvoir maintenant présenter une petite équation avec laquelle vous vous servez souvent pour vos modèles. Donc c'est le moment équation. J'espère que vous êtes prêts. Alors, cette équation, juste pour un tout petit rappel, en janvier, on avait eu une équation tirée des lois de Kepler qui nous permettait de calculer la vitesse de rotation d'une planète par rapport à la distance à son étoile. Le mois dernier, nous avons eu une grande formule de Ramanujan qui nous donnait le nombre pi, puisqu'on était dans la théorie des nombres. Et ce soir, donc, en écologie, Hervé, vous nous avez proposé une équation que je vais vous laisser commenter. Et alors, la voici. Peut-être déjà, simplement, est-ce que vous pouvez nous la lire, cette équation ? Voilà, alors ça se lit. Eta, c'est ici ce qu'on appelle la vorticité potentielle. Alors, vorticité potentielle, c'est une mesure de la... Je ne tournais pas le dos. Ah oui, donc je vais le regarder comme ça, effectivement. Donc, la vorticité potentielle, c'est une mesure de ce qu'on appelle le tourbillon, les tourbillons, donc tout ce qui fait que notre atmosphère, quand on la regarde, elle est agitée par des mouvements qui tournent autour des anticyclones, autour des dépressions. On a ces tourbillons, et ces tourbillons dépendent beaucoup de l'épaisseur de l'atmosphère. Donc, vous avez en haut quelque chose qui se lit 2 oméga sinus phi plus zeta. Et ça, c'est ce tourbillon que je vais commenter plus en détail ensuite. Et puis en dessous, vous avez H. H, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. Et cette épaisseur de l'atmosphère, elle va réguler la vitesse avec laquelle se font les mouvements du tourbillon, un petit peu comme quand vous avez de l'eau qui est aspirée par un siphon. Hein, quand vous étendez la colonne d'air ou la colonne d'eau qui tourne, vous avez un mouvement qui devient plus rapide. Donc ce paramètre de la vorticité potentielle résume beaucoup de mouvements de l'atmosphère. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un numérateur aussi compliqué ? C'est parce que ce paramètre est conservé, mais il est conservé quand on est dans un référentiel fixe. Or, on se trouve sur la planète avec un référentiel qui tourne toujours. Donc vous avez un premier terme, 2 oméga sinus phi, qui correspond à une espèce de tourbillon naturel qui est lié au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Et puis vous avez ce qui s'ajoute, qui est zeta. Alors le mouvement de la rotation de la Terre sur elle-même, il est plus fort au pôle. Vous imaginez un plateau
posé sur la planète Terre, il tourne à la vitesse de la Terre elle-même au pôle. Et en fait, si vous l'imaginez posé à l'équateur, ben il va tourner autour de la Terre, mais il ne va pas tourner autour de lui-même. Il n'y aura pas de rotation du plateau. Il va garder la même direction par rapport à la planète Terre. Donc en fait, on a un processus de tourbillon qui est très dépendant de la latitude. Alors ce tourbillon potentiel, lui, il est conservé dans la plupart des écoulements. Là, c'est simplifié, on prend une petite couche d'atmosphère, on a des termes qu'on peut oublier, on imagine aussi qu'on n'est pas visqueux, qu'on n'est pas chauffé. Enfin, il y a différentes hypothèses derrière cela, mais on capture l'essentiel de beaucoup de mouvements atmosphériques derrière cette conservation. Et les premiers modèles de prévision météorologique, ceux qui étaient à l'œuvre dans les années 60, 70, s'appuyaient vraiment sur cette équation-là. Alors après, il y en a un petit dessin. Alors peut-être, juste comme cette équation fait intervenir la rotation de la Terre, juste une échelle, la rotation de la Terre, la vitesse. Alors la rotation de la Terre, on a 86 400 secondes pour faire tourner la... dans une journée terrestre, hein, donc c'est ça qui mesure la vitesse de rotation de la Terre. C'est quelque chose qui en vitesse est très, très grand. Si on est à l'équateur, hein, on fait 40 000 kilomètres par jour, donc pour 86 400 secondes. C'est des vitesses extrêmement rapides, hein, extrêmement rapides. Je ne vais pas le refaire le calcul de tête, mais à l'équateur. Donc ça a un effet d'entraînement qui est très important. Ici, ce n'est pas tellement l'effet d'entraînement qu'on va regarder, c'est plutôt l'effet différentiel entre ce qui peut se passer à différentes latitudes. Et ce qu'on voit sur cette équation, c'est que si par exemple on change de latitude, alors le facteur zeta, qui mesure le tourbillon du vent sur la planète, va être changé. Donc chaque fois que une masse d'air, une masse d'eau se déplace sur la planète, le tourbillon qui est lié à la surface est changé. Et donc pour compenser cela, on doit avoir un mouvement qui va être plus ou moins marqué. Alors, c'est responsable de beaucoup des oscillations que l'on peut voir sur notre planète. Alors, il y a une petite vidéo qu'on peut peut-être montrer, et puis on reviendra sur l'image. Si on regarde cela, je vais essayer de le montrer, mais voilà, ce que vous verrez, c'est qu'à nos latitudes, par exemple, on a facilement, quand on regarde les mouvements de l'air, des mouvements là, qui vont d'ouest en est. Alors ça, c'est un autre problème, c'est qu'en fait, c'est la vitesse de rotation, c'est l'entraînement, la rotation de la Terre. Mais ce qu'on voit, c'est que superposé à ce mouvement d'ouest en est, à nos latitudes, on a souvent des fluctuations. L'air s'échappe à une latitude plus élevée, et puis redescend à une latitude plus basse, et puis remonte. Et ces fluctuations-là, elles sont vraiment dues à cet échange de tourbillons entre ce qui tient à la Terre solide et ce qui tient au vent lui-même. Et ça fait que chaque fois qu'une particule s'échappe, elle est ramenée par cet échange en termes de tourbillons. Donc ça a été, en fait, cette équation, ce qui a conduit les premiers développements de la météorologie. Le premier développement de la météorologie, c'était de savoir où seraient les anticyclones, où seraient les dépressions, où seraient les tourbillons principaux. Et cette conservation a permis cela. Alors il y a aussi une application dans les océans, parce qu'on voit qu'on a le tourbillon qui est lié à l'épaisseur de la couche d'océan. Alors ça se manifeste déjà sur les aspects continentaux. On peut peut-être le montrer en revenant juste avant. Le dessin, oui. Le dessin, voilà. Donc là vous avez sur ce dessin, je ne sais pas si on le verra bien, mais... Je peux pointer comme ça, il faut garder le micro dans l'autre main. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a des tourbillons qui sont atmosphériques. Après, je parlerai de l'océan. Et ce que l'on peut voir, c'est que les choses démarrent
ici au niveau de la cordillère des Andes. Alors on devine, je pense, le continent sud-américain qui est là. Et on a un mouvement d'ouest. Et quand le vent d'ouest passe au-dessus du continent sud-américain, ce qui se passe, donc, on est confronté à la cordillère des Andes, l'épaisseur de la couche d'atmosphère se réduit. Et à ce moment-là, donc c'est ici, à ce moment-là, par rapport à cela, on doit avoir une modification des vents. Et cette modification des vents, donc j'ai été un petit peu loin, elle va provoquer des ondes qui, vous voyez, se déclenchent immédiatement après le passage de la cordillère des Andes. Donc ça, c'est un... Et voilà, de ces ondes-là. Et ces ondes-là, elles-mêmes, se propagent en utilisant le mécanisme dont j'ai parlé avant, le fait que ben, chaque fois qu'on a quelque chose qui va vers le nord, il va avoir tendance à revenir vers le sud ensuite, et que tout ça est contraint par cette conservation de la vorticité potentielle. Donc tout ça, ça a été les outils des météorologues pendant beaucoup d'années. Maintenant, ça reste des outils pour comprendre, pour faire des cours, pour essayer de se saisir de la physique essentielle qu'on doit représenter dans les modèles. Et dans l'océan, il y a un petit peu la même chose. Si le vent agit sur la surface océanique pour réduire un petit peu l'épaisseur de la couche atmosphérique, ce qu'il fait par exemple au milieu de l'Atlantique, alors les masses d'eau vont aller là où c'est cohérent, c'est-à-dire là où le 2 oméga sinus phi est petit, c'est-à-dire vers l'équateur. Et c'est une des raisons qui nous fait dire que le Gulf Stream disparaîtra jamais complètement, parce qu'une partie du Gulf Stream naît de ces processus-là. Il naît du fait que on a, à cause de la rotation de la Terre, la nécessité d'avoir un courant qui va du nord vers le sud, sur tout l'ensemble de l'Atlantique, et puis un courant de retour qui longe le côté ouest de l'Atlantique. Donc c'est la rotation de la Terre, via les mécanismes qu'on vient de voir, via cette équation, qui permet de comprendre un peu comment tout cela fonctionne. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à comprendre sur notre planète à partir d'équations relativement simples comme celle-là. Et aujourd'hui, quand on essaie de savoir ce que va devenir le climat futur, c'est par rapport à des compréhensions de ce type-là qu'on guide beaucoup notre intuition sur les zones qui vont être vulnérables, sur les endroits où on aura les conséquences les plus fortes. Une équation qui permet de comprendre ce qui se passe et de prédire. J'ai envie de la renommer l'équation du tourbillon, je peux ou pas ? Absolument, je pense qu'on l'appelle d'ailleurs entre nous souvent comme ça. Bien, ben merci Hervé, merci Hubert, on vous applaudit. Et on va pouvoir prendre quelques questions du public. Je suis sûr que le public a beaucoup de questions pour vous. Merci. Bonsoir et merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Pour continuer la question de monsieur, est-ce qu'on aurait une idée de l'inertie du lien de cause à effet entre... Je vais poser ma question autrement. Si on trouvait un moyen totalement miraculeux de prélever le CO2 qui est en trop dans l'atmosphère et de le stocker de manière artificielle, est-ce qu'on sait combien de temps ça mettrait pour inverser la courbe des températures? J'aurais une question aussi pour Hubert Reeves, qu'on doit vous poser, j'imagine, assez souvent. Qu'est-ce qui a fait que dans votre carrière d'astrophysicien, vous avez décidé de, je sais pas, peut-être d'arrêter de regarder les étoiles et plus de regarder la Terre? Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre... Sur la première question, puis je vais laisser la parole pour cette deuxième question qui est sans doute... susciter peut-être un intérêt au moins, je pense, très supérieur. J'ai dit tout à l'heure que le CO2 restait une centaine d'années dans l'atmosphère. Ben, il faut quelques centaines d'années pour revenir à un équilibre. Donc on a engagé les choses pour assez longtemps, oui, c'est certain. Oui, donc vous me demandiez, dans les années 70... J'enseignais aux États-Unis les atmosphères, pas les atmosphères, pas celui de la Terre, mais ceux de Jupiter, de tout le système solaire. C'était le début de la campagne pour explorer l'espace et la NASA se préparait à envoyer des sondes sur la Lune, des sondes sur différentes planètes. Et le problème, c'était, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ces sondes? On va prendre beaucoup de données, big data, comme on dit aujourd'hui. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec Big Data? Alors, le problème se posait,
aux États-Unis, ils avaient décidé de faire des départements, pas de Space Department, c'est-à-dire c'est pas de l'astronomie des étoiles, c'est de l'astronomie qui est appelée, qui est amenée par les satellites. Donc moi j'avais été avec d'autres personnes engagées à enseigner les théories des atmosphères, et on parlait de Jupiter, on parlait pas de la Terre parce que ça faisait pas partie du programme, mais quand même je me suis habitué à ces équations justement, et puis avec des amis on essayait de voir ce que ça donnait sur la Terre. Et puis c'est là qu'on a eu cette surprise, parce que tout le monde pensait que c'était rien du tout, que l'humanité ne serait jamais capable de réchauffer la planète. C'est énorme, hein, quand vous pensez qu'on est capable de réchauffer la planète, d'acidifier les océans. On est d'une puissance fantastique. On n'avait pas réalisé ça. Donc en regardant un peu ce que ça donnait, eh bien on arrivait à des choses de ce genre, des choses problématiques. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai des petits-enfants qui ont dans les 10-20 ans et que je me dis que dans 50 ans, moi, je ne serai plus là. Mais quelle planète ils vont trouver? Quel va être l'état de la planète à cette période? Est-ce que la vie sera vivable à ce moment-là? Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi essayé de m'impliquer en tant que possible dans cette cause. Donc, à la fois le fait que j'enseignais les atmosphères et qu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai des petits-enfants, ce qui me motive encore plus pour essayer de trouver des solutions. Bon, il faut regarder l'état de la planète avant l'ère industrielle. Avant l'ère industrielle, il y avait une certaine quantité de gaz carbonique, 370 ou autre, et c'était constant. C'était constant, pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes physiques qui crée du gaz carbonique, il y a des phénomènes physiques qui absorbent le gaz carbonique. Et les deux étaient en équilibre. Alors parmi ceux qui créent du gaz carbonique, il y avait l'érosion des pierres, il y avait les volcans. Ceux qui absorbent le gaz carbonique, c'est la vie planctonienne dans les océans. Et il s'est établi un équilibre dans lequel, en gros, le nombre de volcans par siècle est à peu près constant. Il s'était établi un équilibre dans lequel la source était égale au puits, c'est-à-dire à la perte. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ajoute du gaz carbonique, et on ajoute du gaz carbonique d'une quantité telle, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, qu'on en a ajouté beaucoup plus qu'il y en avait auparavant. Le nombre dont je me souviens, c'est trois fois plus, 10 milliards, hein, c'est à peu près ça, 10 milliards de tonnes par année, alors qu'il y en avait 3 milliards. Donc c'est un équilibre qui est brisé, mais cet équilibre comprenait au départ et intégrait les volcans. C'est pour ça que les volcans, sur ce plan, pour cette discussion, ne sont pas importants, ils sont exactement compensés par la perte, la diminution de gaz carbonique due à la végétation et à l'océan. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je voudrais juste rajouter peut-être quelque chose de plus spécifique par rapport au volcan, au nom effectivement imprononçable, le volcan islandais qui avait bloqué les... Ce n'est pas des volcans qui avaient agi fortement sur le climat de la planète. Quand on regarde des volcans comme celui-ci, ce sont des volcans qui ont amené de la poussière à une altitude moyenne dans l'atmosphère, peut-être 10 km, quelque chose comme ça au maximum, qui n'ont pas franchi la barrière de ce qu'on appelle la stratosphère, là, donc c'est la tropopause, être dans la stratosphère, où là, les poussières peuvent rester quelques années et peuvent, de ce point de vue-là, agir sur le climat. Donc c'est le lot de la plupart des volcans d'amener de la poussière qui va retomber au bout d'une semaine à peu près. Et on l'a bien vu parce que 10 jours plus tard, il n'y avait plus de problème, les avions redémarraient et il n'y a pas eu de conséquences climatiques du tout liées à ces volcans-là. Donc les volcans qui agissent fortement, il y en a quelques-uns, mais on n'est pas dans les échelles de grandeur qui sont celles vraiment qu'on peut craindre du fait des gaz à effet de serre. Le Pinatubo, par exemple, est un volcan qui a
un des plus puissants qu'il y a eu ces dernières années. Alors, l'année exacte, je ne saurais plus la dire, mais c'était suffisamment pour que ça a été étudié par des satellites, que ça a été reproduit par des modèles. On a eu pendant d'un an, un peu plus, un demi-degré de refroidissement. Alors c'est très précieux, ça nous a permis d'analyser beaucoup de processus internes à l'atmosphère. Comment est-ce que on a la vapeur d'eau qui est un gaz à effet de serre, comment est-ce qu'il peut amplifier ce qui se passe, enfin, il y a beaucoup de processus qu'on a pu, ça a été un facteur d'analyse, mais par rapport au climat tel qu'on craint son devenir, 5 degrés de plus éventuellement, bon, c'est pas des choses qui comptent très fort. Hein. Donc je crois qu'il faut faire attention de savoir qu'il y a quand même un processus essentiel qui domine les autres parce qu'il est cumulatif. Il est cumulatif. Et que la plupart des autres processus auxquels on est confronté, les volcans, les poussières, ne sont pas cumulatifs. Alors il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui voudraient qu'on se serve de ces possibilités éventuellement qu'offrent les volcans, mais en dépassant, alors cette fois, là, on est très puissant, comme on l'a dit, on peut faire des choses que les volcans ne font pas, c'est-à-dire aller nous-mêmes prendre des sulfates, les amener avec des ballons en haute atmosphère, et puis recouvrir la planète. Alors, il y a des calculs qui ont été faits, c'est possible, on peut refroidir la planète comme ça, et ça serait un danger absolu pour deux raisons. Le premier, c'est que si on fait ça, il ne faut plus jamais s'arrêter, parce que on est dans une situation où si on arrête, on retrouve la température qu'on aurait dû avoir si on n'avait pas fait ça de manière très rapide, donc des transitions très très violentes. Et puis d'autre part, on touche aussi à d'autres équilibres, par exemple tout le régime des pluies. Le régime des pluies peut être modifié fortement. Donc là, on joue aux apprentis sorciers. Alors je le dis parce qu'il y a derrière ça une crainte un petit peu, derrière la notion de danger. On va répéter, là, on n'est pas capable de rester sous les 2 degrés. Il faut que ça reste bien clair que même si on doit un jour dépasser 2 degrés, c'est moins grave que d'essayer de rester sous les 2 degrés avec des solutions comme je viens de dire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir marteler de manière très forte, parce que la tentation peut exister à un certain moment, de dire, écoutez, on y est, on a dépassé le seuil qu'on avait dit qu'on ne dépasserait pas, alors on y va, on met des aérosols dans l'atmosphère. En fait. Donc il faut faire attention, moi, tout n'est pas permis, hein, et en particulier de jouer les apprentis sorciers en faisant ce que même les volcans n'arrivent pas à faire. Quoi. Écoutez, il me reste Hubert pour un mot de la fin. J'avais une petite question pour vous. Il y a un bonhomme un petit peu étrange qui s'agite sur votre continent d'origine, à côté de votre pays, qui s'appelle Trump, qui ne dit pas forcément des choses qui nous réjouissent par rapport au climat. Un commentaire. Alors, je reviens à ce que je disais à propos du PFH. Le PFH... Et ce qui arrange, M. Trump a des mines de charbon, des usines qui utilisent du charbon, donc il a un intérêt énorme. Il faut voir quels sont les motifs pour lesquels il refuse. Il y a des motifs qui peuvent être avouables et d'autres sont inavouables. Généralement, dans ce cas-là, c'est plutôt des motifs inavouables quand il est clair pour quelqu'un qui a le moindrement d'intelligence, que tel problème, on connaît la réponse, c'est-à-dire contre les climato-sceptiques. Donc moi, c'est ce que je vois. C'est des intérêts financiers ou autres qui font que des gens, qu'il y a des compagnies qui continuent à défendre l'idée que les cigarettes, c'est pas nocif, que le sucre n'est pas nocif, que l'amiante n'est pas nocif. Ben, à chaque fois, c'est pareil. Quand vous y regardez, c'est... Qui est-ce qui profite? Écoutez, on vous applaudit vraiment tous les deux. Et on passe à notre dernière séquence avec Anaïs Wildock de la librairie Silla qui va nous faire une ouverture littéraire. Et alors moi je tremble à chaque fois parce que je ne sais pas si elle va rajouter de la terreur ou au contraire nous l'alléger un petit peu. Alors là aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé? Là c'est de la détente.
En fait, non. Je commence par 7 secondes pour devenir un aigle de Thomas Day, qui est un auteur français, comme son nom ne l'indique pas. C'est un recueil de nouvelles à thématique écologique en science-fiction. Autant dire que c'est pas rigolo. On a 6 textes qui sont centrés donc, sur des problématiques écologiques qui prennent place un peu partout dans le monde. Il y a une île du Pacifique, il y a l'Australie, il y a le Cambodge, la Californie, le Grand Nord canadien, mais dans un état qui ne ressemble pas au vôtre. On a dans la première une île du Pacifique qui a été le tombeau de Magellan et qui est redécouverte par des soldats japonais et américains pendant la guerre et qui réveille un arbre à papillons. Et leur soif d'en savoir plus va créer des problèmes. On a un homme au visage arraché par un tigre, mais qui continue de protéger la plus belle créature sur Terre, coûte que coûte. On a un Sioux Oglala sur le chemin du terrorisme écologique. On a un trio de jeunes japonais qui gagnent sa vie en pillant la zone d'exclusion de Fukushima. Bref, c'est pas drôle, mais c'est extrêmement évocateur, puissant, un style hyper efficace. Ça envoie loin quand même, parce que c'est de la science-fiction, de la vraie, de la bonne. Voilà, 7 secondes pour devenir un aigle de Thomas Day, c'est vraiment très bien. Celui du milieu, c'est Vostok. C'est mon chouchou. Dans le film, on vous promet Vostok, l'extrême au-delà des extrêmes. Eh bien, vous l'avez là. De Laurent Kletzer, c'est tout ce qu'on vous promet. C'est des avaries, c'est de huis clos au milieu de l'immensité blanche. C'est un isolement incroyable, des conditions invivables. C'est les sabotages, puisqu'il s'agit d'un huis clos angoissant. Mais ça commence ailleurs. Ne commencez pas direct avec votre doudoune, parce que ça commence en Amérique latine, dans un futur proche bouleversé par les bouleversements climatiques, justement, où des cartels se déchirent. On suit Leonora, qui est la jeune sœur d'un bandit du cartel, justement, et les deux vont se retrouver à monter une expédition qui est tout sauf scientifique, pour aller réveiller Vostok et reprendre les forages. C'est fou parce que les scènes du film de forage, d'attention, de tension, en espérant que le tuyau ne va pas se coincer, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le bouquin. C'est des personnages qui sont fouillés, qui sont attachants, c'est une héroïne incroyable, ça a du souffle, ça a une poésie folle. Ils sont accompagnés par un ghost qui est, on ne sait pas, un souvenir, un fantôme, quelqu'un venu d'ailleurs, qui les accompagne et qui pleure. Et c'est juste un bouquin magnifique. Ça, il faut absolument le lire. Et parce que ça aurait peut-être pu être un peu lourd, on termine sur une note rigolote avec Un blanc de Mika Birman. C'est encore une expédition polaire. Il vous assure dans la préface que tout est vrai. Dès le premier chapitre, il vous dit n'importe quoi. C'est un pastiche des récits d'expéditions polaires à la manière d'un recueil des journaux de bord et des notes qu'on aurait trouvées, etc. Sauf que c'est une expédition scientifique avec des gros guillemets pour, entre autres, aller tirer une fusée de feu d'artifice géant sur le pôle sud pour marquer le passage à l'an 2000. Donc ça donne le ton. On suit 3 personnages. Donc il y a le capitaine héroïque, il y a un second fourbe qui passe son temps à saboter l'expédition, un nain cuistot priapique, des pandas des neiges qu'on ne sait pas ce qu'ils font là. Il y a de la tension, de la paranoïa entre les personnages, une progression vers la folie, l'instinct de survie, des obsessions. C'est l'enfer blanc comme on l'a cette fois jamais vu. C'est grotesque, c'est drôle, c'est les Monty Python. Voilà, ça fait du bien. Je précise que donc ces 3 livres sont en vente, on se retrouve en bas à la sortie, et que j'ai aussi certains des livres de Hubert Reeves, mais pas tous, et parce que la bibliographie est conséquente et en pas beaucoup de nombre, donc jetez-vous-y. Écoutez, merci à tous les 3, merci au Grand Action de nous avoir reçus, merci à l'IHP d'avoir organisé la séance. On se retrouve auprès d'un cocktail pour ceux qui ont choisi d'y aller. Et puis, notez que la grande compagnie de cinéma Warner nous a retiré son autorisation initialement donnée de diffuser le film 2001, l'Odyssée de l'espace, le mois prochain.
Donc nous n'aurons pas Kubrick, et Kubrick est remplacé par Steven Spielberg avec Ready Player One, que vous pourrez donc découvrir dans un mois à la séance avec comme parrain Cédric Villani. Eh bien, bonne soirée.